J'ai fait avec Johan à peu près, je pense, une vingtaine, 25 films ensemble, dans différents, comment dire, fonctions. Donc j'ai fait le son pour beaucoup de films, mais aussi la production. Et on a partagé, bien sûr, le développement des idées sur les films. On a fait beaucoup de voyages de repérage ensemble. On a fait des films ensemble improvisés. Donc on était en voyage, on avait petits appareils de films et de sons. Et on développait sur place. En ce qui concerne le montage, j'étais pas la monteuse, mais souvent on regardait le soir ce qu'avait fait Johan pour voir comment continuer. Et donc j'avais toujours mon opinion. À côté de la collaboration qu'on a fait ensemble, j'ai aussi apparu dans beaucoup de films. Amsterdam Afterbeat, c'est un petit film donc monté sur seulement les after club, comment on dit after, en français, je ne sais pas le mot. Les claps de fin, oui. Les claps. C'est seulement les claps de film que normalement on coupe après avoir fini une scène, de tourner une scène, on coupe le clap. Mais donc on l'avait toujours gardé, lui il l'avait toujours gardé, Johan. Et c'était vraiment un acte, je ne sais plus, je l'ai considéré comme un acte d'amour qu'il a édité comme ça, parce qu'il disait. Dans ces claps, on peut voir que tu rigolais toujours. Et pour moi, c'est vrai qu'à la fin, quand il y avait eu une scène qui m'avait plu, je ne pouvais pas me retenir de rire, parce que j'étais tellement contente. C'est pour cela que ça, on a l'impression que je suis toujours de bonne humeur, qui n'est pas vrai, bien sûr, mais c'est comme ça. Je trouve que parmi les films, le premier film, il y a de très beaux. Puis il y a une période que pour moi a été plus difficile parce que c'était une période dont il s'exprimait surtout politiquement et d'une façon qui était un peu éloignée de mes idées parce que c'était très strict et très dur. Des fois, comme il a filmé les gens. Et après cela, il est devenu plus doux dans les derniers films et plus nuancé dans ses idées. Et alors là, je suis très... je me sens beaucoup plus proche. Mais pour dire les plus beaux films, ce serait peut-être, mais aussi parce que je l'ai produit, c'est l'œil au-dessus du puits, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup toujours, et Face Value. À part, j'aime aussi beaucoup comment il s'exprimait dans des petits films, comme par exemple la leçon de lecture.